suis ravie de vous retrouver pour un nouveau méga haul action. Il y en aura vraiment en deux parties parce que là, il y en a trop. Vous ne voyez pas, mais j'en ai là. Enfin bref, j'en veux pour preuve les tous ces tickets de caisse. Je ne vous donnerai pas le total que j'en ai eu à chaque fois parce que sinon, vous allez me dire, mais t'es cinglée ma pauvre fille. Oui, mais il y a des choses qui était nécessaire pour moi à la maison, donc du coup il y aura du glamour, mais du beaucoup moins glamour. Je prends donc mon premier ticket et nous commençons tout de suite avec les petits paquets de Crispy Crisp Snack. Voilà, qui était à 74 centimes le paquet. Il y a combien de grammes à l'intérieur? Il y a 18 grammes, donc l'équivalent de voilà d'un goûter, on va dire. Il y a 55 calories à l'intérieur. Ce sont en fait des fruits soufflés. Donc séché, soufflé et aspartamé. Et vous savez que je n'aime pas le goût de l'aspartame, pour moi c'est trop sucré. Donc oui pour Hugo, parce que je préfère qu'il mange ça que des chocolats. Mais c'est vrai que moi j'ai pas trop adhéré. Et j'avais vu ça notamment sur la chaîne de ma petite Karine, la chaîne Karine Miss Bop, que j'embrasse énormément si elle passe par là. Et du coup non, moi j'ai pas forcément adhéré. Je poursuis avec des pistolets à bulles comme ça en fait, qui ont coûté 2,49 et en fait il y en a je crois 5-6 à la maison parce qu'il y en a chez les grands-parents etc. Et en fait on prend le réservoir qu'il y a là, on le visse ici et on remplit avec des grandes bouteilles de solution pour bulles que j'ai coutume d'acheter pour pas en fait m'embêter avec du produit vaisselle qui ne fonctionne pas bien avec ces appareils là. Et en plus vu que les grandes bonbonnes d'un litre coûtent que 1 euro ou 99 centimes. Du coup, il y en a un pour le cousin, un pour lui. Il y en a deux qu'on cassé parce que voilà, ça tombe dans tous les sens. Il les jette partout. Faut voir quand même qu'ils ont que 2 ans et c'est marqué 3 ans et plus. Donc Hugo n'a que 2 ans, mais c'est marqué 3 ans et plus. Je vais y arriver, hein. Je parle pas trop français, mais bon, ouais, on va s'en sortir. Donc voilà, ça j'en ai deux près de moi, mais il y en a aussi voilà chez la grand-mère et ici je crois qu'il en reste un par là qui traîne et il adore ça et c'est vrai qu'il nous embête et puis en fait c'est lumineux ici, ça fonctionne avec trois piles AA. Donc, mais c'est vraiment un super jouet à mettre dans les mains d'enfants, surtout pendant l'été comme ça, où on sait qu'ils vont un peu dehors, donc pour s'éclater. C'est pas mal aussi pour les mariages, ces choses-là. Si toutefois, vous voulez une sortie en fait d'église super bullée, on va dire, ça c'est pas mal à acheter pour les invités en fait. Ensuite, des Beefy Original, donc c'est ces petites choses-là en fait, c'est des salamis mais en stick. Et donc Hugo, je lui donne pour que ce soit plus simple, et ça c'est américain, enfin moi je connaissais parce que c'est américain. Et donc c'est plus simple pour eux de manger comme ça que vraiment la rondelle de saucisson, pas facile à attraper ou t'en mets partout, etc. Donc là c'est plutôt pas mal, donc j'en ai pris 1, 2 et... 3 paquets, donc je les retirerai des autres tickets parce que c'est à l'occasion de 3 achats différents. Mais vu que j'ai vu qu'il avait apprécié le premier paquet, forcément j'en ai racheté plus. Pour le prix de ces petites choses, c'était 99 centimes l'unité, enfin le trio en fait. Ensuite, des blocs à colorier. Donc en gros, c'est un bloc-notes comme ça. Et à l'intérieur, vous avez de quoi colorier en haut et de quoi noter ce que vous voulez en dessous. Donc c'est plutôt pas mal, c'est... Moi j'aime bien, ça me déstresse le coloriage en ce moment, donc voilà quoi. Hein, notamment lorsque j'étais à l'hôpital, parce que mon père est sorti de l'hôpital, donc voilà, c'est mieux maintenant. Mais c'est vrai que ça me permettait de décompresser. Et ça coûte 99 centimes. Je poursuis avec un câble, voilà, c'est un micro USB qui fait aussi pour le smartphone. Et en fait, ça a une longueur de 2,50 m. C'est en gros pour recharger le téléphone quand je suis sur l'ordi. Mais vu que le câble est petit, pouvoir recharger de plus loin. Ou alors quand j'ai une multiprise à côté de mon lit mais qui ne fait pas assez long pour pouvoir avoir mon téléphone au lit. Bah en gros, ça permet de changer en fait le plug qu'on a avec le chargeur du téléphone de base, puisque maintenant c'est un bloc plus le téléphone, enfin le chargeur de téléphone USB. Donc voilà, et ça m'a coûté 1,59€. Je continue avec quelque chose de super intéressant à faire aussi pour personnaliser vos mugs. Voilà, sur la céramique en fait, c'est des tasses à peindre soi-même avec le pinceau et la peinture. Donc en gros, vous pouvez faire ce que vous voulez pour votre meilleur ami ou quoi que ce soit. Et en fait, ça passe juste au four pendant 25 minutes à 200 degrés, je crois. Et du coup, il y a vraiment de quoi se faire
un beau mug en fait. Parce que des choses un petit peu personnalisées quand on veut passer un message, par exemple, tu vas devenir papa pour la seconde fois, je ne sais pas, avis aux amateurs, ça peut être plutôt pas mal comme, comme suggestion. Et il m'a coûté seulement 1,59€. Donc ça va, c'est plutôt intéressant. Et en plus, ça fait une activité à faire pour les enfants. Si toutefois, vraiment, vous voulez faire ça comme activité le mercredi après-midi, on sait qu'en ce moment, ils ont du temps à perdre. Donc voilà. Je poursuis avec sa fameuse litre de solution pour bulles. Voilà, qui fait 1 litre, hein, si je ne m'abuse. Voilà, d'un litre. Et qui coûte 99 centimes. Donc je vous en parlais. J'en ai vraiment 1, 2, 3, 4, 5. C'est le sixième. Donc j'en ai acheté aussi pour aller chez la grand-mère. Enfin, je vous dis pas, j'ai. Voilà, les solutions pour bulles, j'en ai partout et tout le temps. Ensuite, j'ai choisi de l'huile à l'ail parce que j'aime beaucoup l'ail. Je trouve que ça rehausse le goût en fait des plats quand on n'a pas envie de mettre de graisse. Ou qu'on n'a pas envie de faire de la sauce, voilà, parce que les plats en sauce, ça fait grossir. Donc, de l'huile directement aillée, c'est pas mal. Et ça m'a coûté 1,89€ pour les 500 ml. Ensuite, et je ne l'ai pas là, mais c'est un pot de sucre de fleurs de coco bio, 325 grammes, qui m'a coûté 2,95€. Mais ça, ça ne sucre pas du tout. Enfin, j'essaye de remplacer le sucre transformé blanc par autre chose, mais pour l'instant... je peux pas dire que j'ai vraiment trouvé la chose idéale. Donc ça, non, je ne vous le recommande pas si vraiment vous aimez le sucré comme moi. Je poursuis avec des piles, ben forcément, pour aller avec tout ce que j'ai acheté. Voilà, il me fallait des piles, donc c'est des Philips. C'est par 16 et ça m'a coûté 3,49€. Je continue maintenant avec des rangements à maquillage. Donc là, c'est les carrés. Et j'avoue que il n'y en a pas beaucoup des carrés, en fait. Ils nous sortent des cœurs, des ronds. Mais des carrés, ils n'en ont pas sorti énorme. Et en fait, c'est tout simplement des rangements rouges à lèvres qui sont... Alors là, j'essaye de le déballer. Tant bien que mal. Donc voilà, et en gros, je les ai aussi ici dans mon armoire. C'est parce qu'en fait, ça m'a permis de ranger les rouges à lèvres que j'ai reçus récemment du site dont on ne doit pas prononcer le nom, pour ranger mes Dose of Colors. Donc je vous ferai une revue aussi Swatch, certainement, sur ces produits-là. Et les liens sont sur ma page Facebook, vu qu'on peut plus... on est censuré, en fait, lorsque l'on prononce soit les noms, soit les produits qui proviennent de ce site. Donc voilà, ça c'est fait. Et donc, pour ranger mes petits rouges à lèvres de ces... J'en ai plein à vous tourner, d'ailleurs, ils sont là. Ils sont cachés. Et du coup, j'ai pris ça pour ranger justement les rouges à lèvres supplémentaires que j'ai commandés. Donc là, j'en ai pris 3 et ils étaient à 99 centimes. Donc à ce prix-là, ça va encore. Donc là, on a terminé le premier ticket. Nous passons donc au deuxième ticket. Alors, c'est un... pour commencer, un poisson avec des piles qui nage en gros dans l'eau, et c'est pour éviter d'acheter un poisson rouge à Hugo, tout simplement. Et il s'allume quand il nage, et c'est les RoboFish. Et j'avais vu ça sur Gulli, parce que oui, madame regarde Gulli, puisque Hugo regarde Gulli, et vu que Hugo est bébé prince, eh ben je me tape Gulli, tout simplement. Donc voilà, et ça, ça m'a coûté 3,99€. Je poursuis avec des pâtes dissolvants comme ça. Donc ceux-là, pardon, sont à la pomme, et ça, c'est hyper bien. Alors franchement, je pensais pas... Mais c'est pas de l'acétone en fait, c'est gras, c'est une texture grasse. Donc si déjà d'aventure vous n'aimez pas la texture grasse, il faut vous abstenir pour ce produit là. Ça coûte 99 centimes et ça retire super bien le vernis. J'ai été choquée, sans puer l'acétone, et ça sent super bon la pomme. Donc oui, j'en ai racheté et j'en ai encore racheté à la fraise. Je me suis repris, et pour le bonheur des petits et des grands, une pompe à eau en fait et à air. Pour gonfler les ballons. Oui, parce que vous pouvez mettre de l'eau dedans. Et en fait, ça gonfle le ballon d'eau. Et ça fait des bombes d'eau. Donc ça, vu que Hugo a beaucoup, beaucoup apprécié la précédente, je me suis dit que j'allais en racheter une deuxième. Parce que vu l'état qui... Dans l'état qui me la met, l'autre, au moins j'en aurai une pour remplacer si elle est cassée. Et vu que là, l'été se termine, enfin l'été est terminé d'ailleurs, j'ai pas envie de rester comme une andouille en hiver. Parce que lui, il joue à ça pour gonfler les ballons, même tout le temps, quoi. Pas forcément d'eau. Donc, le jour où j'ai pas envie de souffler, eh ben, franchement, je prends ça et c'est super. Mais j'ai pas envie, par exemple, que la saison soit passée et de plus en pouvoir en retrouver après. Donc, du coup, j'en ai pris une maintenant et puis on est tranquille. Et elle m'a coûté 2,89€. Donc, je pense que le prix est raisonnable pour le coup.
Ensuite, un fond de teint poudre miroir éponge. Alors, où est-ce que je l'ai mis? C'est celui-ci. Donc, je l'ai pris en teinte tan 264. Voilà, donc en gros, c'est pour du bronzer. C'est une teinte un petit peu froide. Et je vous referai, si vous voulez, un tuto avec une sélection en tout cas, de produits que j'ai eu chez Action. Donc, un look complet avec ces produits-là. Et ça m'a coûté 99 centimes. Ensuite, j'ai pris un set de feutres à pointe fine. Donc, il y en a 12 à l'intérieur. Ça m'a coûté 1,59 et c'était pour faire les détails en fait de mes mandalas. Mais le truc, c'est qu'ils sont foncés quand même. Ça reste foncé. Donc, j'ai préféré quand même utiliser les anciens feutres de chez ma mère. Parce qu'on a eu. J'ai une petite nièce et quand elle était petite, je lui avais acheté plein de feutres. Deux grosses boîtes de feutres. Et du coup, maintenant, ils sont pas secs. Donc, je les utilise chez ma mère quand j'y vais. Maintenant, je vais vous parler de ça et c'est des bombes à eau avec fermeture automatique. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas testé, je ne peux pas vous dire. Ballon à eau, fermeture automatique qui a 100 pièces à l'intérieur et ça se ferme automatiquement en fait. Donc, je ne sais pas. Ah oui, et donc en fait, ça va avec la pompe. Ça va avec la pompe, c'est la même marque. Et il y a vraiment un descriptif derrière. Donc, si vous ne savez pas comment gérer le truc. Eh bien, vous avez ce qu'il faut ici pour comprendre comment les utiliser. Je poursuis avec une paire de boucles d'oreilles. Alors là, vous verrez peut-être pas, mais elle est dans les tons pastels, rose, vert eau et violet. Et en fait, je trouve ça sympa. Après, je sais pas, ça m'a pas coûté trop cher. Donc, dans tous les cas, je regretterai pas de les avoir achetées. Ça m'a coûté 69 centimes. Je poursuis avec une pince à cheveux pailletée. Mais celle-là, vous avez certainement dû l'avoir. C'est une simple pince croco, en fait. Comme ceci. Et vu que j'ai les cheveux longs, du coup, je m'amuse à les attacher. J'ai jamais assez de pince. Donc, voilà, j'ai pris ça et ça m'a coûté. Elle m'a coûté 99 centimes, donc ça va, c'est pas encore la mer à boire. Ensuite, j'ai pris un album à colorier adulte, comme ça, 15 par 15, qui faisait 95 centimes. Et à l'intérieur, bon, il a morflé un petit peu au niveau, là, du packaging, mais bon, je m'en fous un peu. Voilà, c'est quand je stresse, et ben, j'aime bien colorier, donc du coup, j'en ai repris un. Et celui-là était relativement petit, voilà, donc pour emmener dans le sac pour aller à l'hôpital et tout, c'était pas mal, mais j'ai trouvé un mini mandala rond que j'ai pas là, du coup, vu que je l'ai laissé chez ma mère quand j'y suis retournée, c'est tout petit, en fait, ça se glisse dans le sac, et c'est cela que j'ai fait quand j'étais à l'hôpital et qui m'a coûté 59 centimes. Donc voilà, ça c'était pour le deuxième ticket. Non mais on y arrivera, on y arrivera. J'ai décidé de couper maintenant pour faire 15 minutes et puis continuer, voir un petit peu parce que là il y en a vraiment trop, donc je ne vais pas vous peser. Il y aura une deuxième partie, voire une troisième partie, donc on se retrouve tout de suite.